C'est un héros qui sort de la clinique de la main ce samedi matin en banlieue sud de Lille. Spencer Stone, des millions de Français connaissent désormais le nom de ce jeune Américain. 1m90, âgé d'une vingtaine d'années, on le voit sur ces images à l'entraînement. C'est lui qui s'est précipité en premier sur Ayoub El-Kazani. Ce jeune soldat de l'US Air Force, l'armée de l'air américaine, voyageait à bord du Thalys avec un groupe d'amis, fier de son courage. Je suis vraiment très fier de mon ami. Il a réagi tellement vite et avec courage. Spencer a bien couru 10 mètres jusqu'à l'homme alors qu'il ne savait pas si son arme fonctionnait ou pas. Si quelqu'un avait dû être blessé, ça aurait dû être lui, sans aucun doute. Spencer Stone, dont le courage a été salué par le président américain depuis Washington, le jeune Américain qui a quitté Arras avec ses amis est désormais à l'ambassade des États-Unis à Paris. Lundi, c'est le président français en personne qui le recevra à l'Élysée.